moi, il faut savoir que j'étais champion du monde du mail très structuré, avec des bullet points, certains éléments en gras, relus 3 fois avant d'être envoyé. Donc ça pouvait m'arriver de passer 1 heure à écrire un mail, alors que j'aurais dû raisonnablement y passer 10 minutes. Donc j'étais très très fort pour ça. Donc j'ai réussi à dépasser un peu ça en me fixant des défis, notamment d'envoyer des mails sans les relire, ce qui était juste incroyable pour moi, d'envoyer des présentations PowerPoint sans forcément remettre tous les titres au même niveau de police ou sans forcément aligner toutes les images sur les textes. Donc, par contre, je pense que mon perfectionnisme s'est localisé ailleurs. C'est-à-dire que je me suis dit, je peux peut-être être parfait dans le nombre de mails que je traite dans 1 heure, plus que finalement sur la qualité d'un mail que je vais mettre 1 heure à écrire. Ça a été aussi un moyen pour moi, finalement, de franchir le pas. Donc, c'est finalement par des petits défis, par tout le successif, que j'ai réussi à mettre fin à mon perfectionnisme. Voilà, de lâcher la pression, en fait, hein, d'être finalement un peu moins dans la quête de la perfection et de l'objet fabuleux. Bon, et beaucoup plus finalement dans l'efficacité de ce qui était attendu par mes collègues. Hein. Je me suis rendu compte que finalement mes collègues étaient tout à fait tolérants au fait que certains de mes mails n'intègrent pas de bullet points et qu'il n'y ait pas d'éléments en gras. Je me suis même rendu compte que ça facilitait la vie à certains d'entre eux. Donc ça m'a permis, je pense au final, d'être plus efficace et de rendre mieux service à mes collègues et aux personnes qui sont autour de moi.